Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis avec le frérot Okis. Salut quoi frérot? Bah écoute, ça va, hein, on se prépare pour le 1er mai. Demain, il faut niquer Macron. On est avec le Dogo Gibbs. Ouais, je vois ça. Le Dogo ça, du poteau. Ça a profité de l'occasion. Frérot Matox, frérot Juan, frérot Tag. Les poteaux, tous des rappeurs quasiment. Tous. On va les présenter tout ça après, mais déjà pour commencer, on est où en fait quoi? Bah là, je t'ai donné rendez-vous devant le Tacos Factory pour la bonne raison que c'est le meilleur tacos du plateau. Et ils sont chers sympas. Et en plus, les tacos, ils sont chers bons. Au four. Ah, au four. Voilà, c'est magnifique. Fait une belle diff, tu vois. Il manque plus que la shakshuka. Tu vois, petit message envoyé gratuit. Non, parce qu'il y en a encore quelques-uns, ils font la shakshuka dans le centre-ville. Mais on serait allé au Tacos World, ça aurait eu moins de. On voit, vu que c'est une chaîne. Du coup, Tacos Factory, comme ça, après, on va descendre la Croix-Rousse, tu vas voir un peu. Ce quartier est très mouvementé. Bon, avant tout, je laisse te présenter, frérot. Ah ouais, bah, Okis, rappeur de Lyon, du coup. J'ai sorti mon premier EP tout début 2022. Avant ça, j'étais un peu rappeur de chambre, comme on dit. Il fallait que mes potes me tannent pour sortir un truc. J'ai sorti un truc et puis ça a franchement marché comme jamais j'aurais imaginé. Et là, je suis en train de taffer sur les projets de ma vie, franchement. Mon premier album, ça parle surtout de déambuler ici et de pas faire grand chose ici avec des vies bien bien normales. Je te laisse présenter l'équipe aussi parce qu'il n'y a pas que toi qui rappe du coup. Mon gars sûr c'est Matox, il est là, mon gars sûr municipal. Je vais représenter Volcan, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Maintenant Lyonnais accueilli par les gars sûrs municipaux. EGP. Et EGP toujours avec un bon binôme, le beatmaker à l'époque qui n'est pas là aujourd'hui. Du coup, allez checker son taf. Il est parti à la montagne mais le beatmaker énervé qui taffe avec Matox. Matox ici, il taffe sur son premier album, il a sorti un EP. Ouais, c'est ça. Du coup, tout produit avec ça à l'époque. C'est un EP aussi qui est sorti du coup là en 2023, début 2023. Et le prochain album, je vous en dis pas plus, vous allez voir prochainement. Moi, je m'exprime pas encore trop là-dessus. Ouais, là, il prépare une arrivée en grande pompe. Là, il est en train de mettre sa cape. Voilà, c'est ça. Et là, c'est Rotag, collectif Le Maquis. Exactement. Ville Urbaine. On s'est rencontrés, on a un pote en commun, j'ai pris ma claque comme beaucoup de gens quand on a écouté l'EP et puis après on est rentré en contact. Ça s'est fait tout seul, on a fait un son incroyable qui s'appelle Côté Cramé. Allez streamer ça fort. Prod de Beatnik et non ça tue. Et Juan, gars sûr de Rotag aussi. Ça, souvent, c'est le rappeur humble. C'est le meilleur de tous, mais il le dira jamais. Approche-toi, frérot. Approche-toi. Tu vois, déjà, tu vois, la posture, tu comprends, il se met à 10 mètres, il regarde le menu. Dès que la lame est chauffée, c'est bon, c'est fini. C'est la muraille. T'as sorti que quelques trucs, toi, un petit peu ou quoi? Non, moi, ça fait longtemps que je fais plus rien. En vrai, je rappelle il y a un petit moment, puis là, j'arrête un peu, j'accompagne les poteaux, je regarde un peu de loin. C'est la sagesse. On vole la sagesse, il est là. Mais on va leur faire stimuler, là, il va ressortir un autre. Ah, il faut. On va le stimuler. Bon, Okis, je te propose qu'on mange un plat typiquement lyonnais. Pour tiens, ça me rappelle qu'il faut aussi big up. C'est mon coloc, c'est mon meilleur gars, c'est mon DJ. Tacos Criminal qui est malheureusement en train de préparer un set qu'il a jeudi prochain parce qu'il fait ça au dernier moment. Et du coup il est pas là, là il est à l'appart en train de cravacher pour la musique. Mais Tacos Criminal c'est lui, il fait tout. C'est l'ingé son, c'est le sound designer, c'est le DJ, il fait tout. Il fait même des prods maintenant, il vient d'ouvrir un BeatStars parce qu'il. Tout terrain. Tout terrain, c'est ça, c'est notre VTT, Tacos Criminal. Avec le meilleur blast de tout le 6-9, clairement. Alors, en parlant de ça, on va aller manger le meilleur tacos de la Croix-Rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça, franchement, le Tacos Factory. Anciennement, Andiamo Pizza, ils se sont fait toute une nouvelle beauté. Alors frérot, on se retrouve où maintenant? Là c'est lieu typique de la babosserie. Tous les babos du monde entier se réunissent ici. Et tous les lycéens qui écoutent des remixes art tech de Vivaldi. Et là comme tu peux le voir, on a beaucoup de musiciens. Là c'est un des lieux de la zone. Moi je préfère aller un peu en bas à Bellevue, là on va aller. Mais t'as vu, t'as la belle vue de ouf. Quand il fait beau, on voit le Mont Blanc. Enfin, ouais, quand pas forcément qu'il fait beau, mais que les planètes elles s'alignent avec quand il a plu et tout. On voit le Mont Blanc, mais encore mieux de belles vues. Voilà, on est à Bellevue.
je t'explique, du coup, ouais, c'est l'endroit où je pense j'ai le plus zoné dans ma vie. Si on cumule tout, le collège, le lycée, tu vois. Du coup, on a une sacrée vue sur Lyon. Là-bas, on voit un peu site international. Là où il y a le lac, c'est Parc de la Tête d'Or. Là-bas, c'est, ça va être le 6e. Ensuite, derrière, Villeurbanne. Tu vois même le Groupama Stadium, tout ah au fond. On voit vraiment, vraiment. Dessine. Ouais, ouais. Bon, après, si tu te mets de l'autre côté de la place, tu vois un peu Pardieu, tout ça et tout. Et ouais, hein, franchement, je pense que c'est là où c'est le plus posé. Toutes mes soirées, je faisais ça ici, avec les potos. On se mettait des petites canettes et puis voilà. On sent la marchandise, gros. Faut que tu nous dises, c'est quoi la meilleure compo pour un tacos à Lyon? Moi, vous, là, il va y avoir débat. Moi, j'ai ma compo. Débat, j'ai deux scoops. La meilleure compo pour moi, c'est la plus simple. Escalope algérienne, shakshuka, gruyère. Mon deuxième scoop, c'est que Gab Morrison, il prend tenders. kebab. Tenders kebab. Vous en penserez ce que vous voulez. Ça veut dire, montre-nous. Il y en a un qui est gratiné ou pas là-dedans? Histoire de montrer un peu. Tu vois, nous, on est des régulars. Tu vois, à l'époque de nos grands frères, les kebabs sans sauce ni frites, comme dirait Saïd Delarme. Nous, on prend pas gratiné, et puis parce que c'est la fin du mois. Unboxing, Tacos Factory. Ils sont différents que dans le reste de la France. T'as vu? Ils sont différents, ils ont pas la même non, pâte. Ils ont pas le côté galette, tout plat et tout ça, c'est le côté four, tu vois. Ouais, c'est le côté four, ça. Ça, c'est le côté four. Moi, je préfère en vrai. Ça donne un petit côté croustillant. Ça tient bien en main, t'as vu? Le truc, il va pas couler. Tu vois, on est vraiment sur l'artisanat, la maîtrise, tu vois. Tacos Factory, ex Andiamo, rue du Chariot d'Or. Est-ce que t'as une anecdote ou quelque chose qui t'est arrivé à propos des tacos? C'est même pas, j'ai l'anecdote. J'ai l'expertise. Avant d'être rappeur, j'étais journaliste pour un journal qui s'appelle Tribune de Lyon. Et un jour, ils m'ont laissé faire une enquête, mais une vraie enquête, genre 10 pages, sur le tacos lyonnais. Oh, du coup, je suis allé faire une vraie enquête pour savoir si c'était vraiment... Est-ce que les Grenoblois, ils peuvent dire qu'ils sont inventeurs du tacos? Et j'ai retrouvé l'inventeur du tacos, gros. Il m'a dit le tout premier tacos originel, c'était steak, harissa, mayo. Il avait mis du cheddar parce qu'il n'avait pas encore la sauce gruyère avant que ça l'a fait le full, lui offre la recette. Ça l'a fait le full géant des snacks de Vaux-en-Velin. Et en fait, il avait fait ça pour trouver une alternative au sandwich américain. Et du coup, il a fait ça en 99. Le premier, 99. Premier tacos à Grenoble, c'est 2006. 2005. Il y en a un premier qui a fait un incendie, et ensuite c'était 2006. L'ancienne s'appelait le tacos de Lyon. Les Grenoblois ne peuvent jamais dire qu'ils ont inventé le tacos, ne les laissez jamais dire ça. C'était mon anecdote. En tout cas, il a changé nos vies. Hein. Ça fait combien de temps que t'es dans le son, toi, exactement? C'était quand tes premiers pas? C'est comment? Bah, moi, j'avais commencé à écrire un peu des textes, genre au lycée et tout. Et je pense que c'est vraiment au lycée que j'ai commencé à écrire. Donc là, ça commence à faire, ça devait être en 2015, tu vois. Ça doit faire 8 ans que j'écris. Mais comme je t'ai dit, en fait, moi à la base, bah, je rappais pour mes potos. J'étais parti 5 ans faire mes études de Lyon. Et quand je rentrais à Lyon, tu sais, je leur faisais écouter ce que j'avais fait, t'as vu. Et ils me disaient c'est lourd, tu vois, mais je m'étais jamais dit vas-y, je vais sortir ma musique. Mais un jour, ils m'ont un peu forcé, t'as vu, ils sont tous cotisés. Ils m'ont acheté une carte son, un micro, genre en 2020. Ils m'ont dit vas-y enregistre. Et du coup le temps que ça ressemble à peu près à quelque chose, parce qu'au début bah, je savais pas rapper dans un micro, je connaissais pas bien Ableton et tout. Et du coup au bout de 2 ans, je me suis dit vas-y ça s'écoute, c'est un truc que je pourrais écouter, tu vois, en termes de qualité sonore. Et du coup je me suis dit vas-y, je vais me faire mon petit EP, j'étais au chômage, j'avais le temps. Donc j'ai fait mon petit EP. Vraiment vraiment pur kiff. J'allais le sortir sur SoundCloud, tu vois. Et ma soeur, elle voulait avoir dans ses titres likés sur Spotify, du coup je les ai mis sur Spotify. À une semaine de la sortie, je me suis dit, oh vas-y, je crois que je vais faire une vraie cover. Parce que j'avais vraiment une photo de merde, toute floue. Wow. J'avais les dents noires à cause du pinard, tu sais. Elle était vraiment moche avec le recul. Et j'ai demandé à mon poteau Léonard Gros-Piron, ça, photographe, mon poteau du lycée, il est cher sympa. Et il est trop fort. Et il m'a fait la petite photo devant l'épicier là. Et voilà, j'ai sorti. C'est ça mon parcours de la musique en vrai. J'étais vraiment juste un auditeur. Et un jour, j'ai sorti le truc. Et bah, les gens, ils sont pris. Et ça m'a grave surpris. Mais je suis refait. Parce que depuis, c'est plein de rêves qui se réalisent. On est allé à la radio, à Move. On est allé à Skyrock sur invitation d'Aketo de Sniper. C'était incroyable. En vrai, on fait que kiffer. Justement, il y a un EP qui est sorti récemment. Ouais, le deuxième EP, ouais. Voilà, lui, il y a des anecdotes à dire. Il y a une anecdote à dire dessus. Il y a une anecdote, c'est que c'est un EP 4 titres. Mais à la base, c'était un EP 5 titres. Et mon objectif, c'était de le sortir le jour de la cérémonie du Ballon d'Or. Parce que
mon petit doigt, comme le petit doigt de beaucoup de gens, ils disaient que c'était Benzema qui allait gagner. Bingo, ça a marché, mais en fait, j'ai dû enlever un... J'avais déjà mis le projet sur Distro et tout, et j'ai dû enlever un son à cause d'une merde qu'on a eue au dernier moment. Du coup, j'ai remis sur Distro la veille de la sortie, et je savais même pas s'il allait sortir à temps. Et il est sorti pile pendant le discours de Benzema, genre... Distro, il l'a envoyé à ce moment-là, il a dit c'est bon, libérez la bête. Et le truc, il est sorti avant le discours, j'en pouvais plus de rafraîchir parce que mon album il arrivait pas et que je voulais qu'il arrive pour le Ballon d'Or. Et il a pop-up sur les plateformes pile pendant le discours, c'était incroyable. Bah, c'est parfait alors. Hein. Voilà, rappeur de Lyon, 4 titres. Et puis le prochain projet, bah, c'est mon premier album. Ça met du temps là, on fait des clips. Il est fini, mais on fait des clips. Ça va être incroyable, je suis trop content de ce que j'ai fait. C'est ma plus belle création, tu vois, parce que les deux premiers EP, c'est des type beats. Là, j'en dis pas trop, mais je travaille avec mon beatmaker, un de mes beatmakers préférés en France, sur tous les titres et tout. Donc c'était kiffant. Là, je dis, on est à Colbert. C'est à Colbert, on est à Colbert ici alors, ouais. Il n'y a pas grand monde, mais c'est historiquement une grande, grande place de la rouille lyonnaise et croix-roussienne. C'est la place Antifa par excellence aussi. Tu vois, c'est une connexion qu'on a et qu'on est content d'avoir avec ce quartier-là. C'est qu'on est, le dernier bastion antifasciste de cette ville. Et encore, le bastion, tu as vu le rapport de force, des fois c'est compliqué parce qu'à Lyon, on sait qu'il y a beaucoup de faf. Mais voilà, Colbert, c'est ça, c'est... Ça symbolise ça pour moi, c'est la place Antifa par excellence. On vient s'y poser et on y croise souvent toutes sortes d'anciens, toutes sortes de têtes cramées. Je pense j'ai envie de big up Fantastic Fouette qui était le chanteur de la Bougnoule Smala. On le voit souvent par ici et c'est lui qui chantait du Baidechtai, de la Jonkai, je veux dire Baidechtai, sur Association de Bienfaiteurs en 99. C'est un album qui avait retourné toutes les têtes à l'époque, un peu c'était l'époque IPM et tout, vraiment les anciens. Les anciens, et tu vois, ça c'était une autre connexion, la Bougnoule Smala, et du coup on a ce genre de tête là dans le quartier, ça fait plaisir. Big up Fantastic Fouette, Tahiti Bob. Justement, la Croix-Rousse, c'est un quartier qui a une ambiance particulière, enfin c'est un quartier particulier de toute façon. Ouais. Ce qu'on se disait tout à l'heure là, mais là on peut le redire, c'est vrai que c'est un quartier, j'en parle pas mal dans mes sons, un quartier qui se gentrifie énormément. Nous, on est nés dans la fin des années 90, on a à peine connu le moment où le quartier il était vraiment populaire, tu vois. Années 80-90, il y a eu le premier café hip-hop de toute la France, le Koulka, qui était en bas des pentes et tout. On a vraiment une histoire et tout. Il y avait MCM 90, ils sont sur Rap Attitude Volume 2 et tout. Ils étaient de la Croix-Rousse et tout, et c'était eux qui avaient le bar et tout, en question. Et on a toute une histoire, et en fait, depuis les années 2000, ça devient progressivement Paris, tu vois. Le plateau, c'est devenu Paris, il y a des Parisiens partout, les commerces sont plus accessibles. Les pentes, il y a un truc qui survit, tu vois, dans l'âme, mais c'est un peu voué à disparaître, tu vois. C'est un peu l'histoire de ce quartier, un truc que je dis pas mal. Ça fout un peu la mort parce que les commerces, ils correspondent plus à quoi que ce soit de populaire ou d'un peu, tu vois. Une vraie vibe artistique, c'est plus que des trucs hyper gentrifiés et des galeries d'art plastique, t'as vu. C'est-à-dire le côté populaire, il meurt un peu ici. En fait, ouais, disons qu'il y a une... Maintenant, les gens ils veulent du calme dans un quartier qui historiquement n'est pas fait pour ça, tu vois. C'est peut-être le dernier quartier qui pourrait être vraiment festif dans cette ville. Non, mais les gens ils veulent du calme parce que les gens qui viennent de Paris, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est ils viennent ici, ils pourraient être dans un village calme, alors qu'en vrai, c'est plus que ça la Croix-Rousse, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui viennent de la Croix-Rousse du coup? Bah, là, moi je pense à KLM, elle est à Croix-Rousse. KLM, elle va tourner avec DJ KNX, qui est le meilleur DJ de Lyon, franchement trop fort. Et KLM, elle tourne depuis un moment, c'est quoi, fin des années 2000. KLM. KLM. Ouais. Bon, pas tant, mais tu penses quoi? Elle a commencé avec le Labo, les artisans des bonnes ondes. Ça a regroupé plein de rappeurs de Lyon, et KLM, c'est quoi? C'est 2012, je crois, le Labo. Même 2016, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. 2010, moi j'ai l'impression que je l'ai vu depuis super longtemps, KLM. Elle est partout, avant elle tournait partout, elle était dans tous les open mic. Et là, maintenant avec KNX, t'as deux meufs qui arrachent tout sur scène. Ouais, c'est trop fort. Elle arrive, sans backeuse, elle te tient la scène pendant une heure, trop très très forte, elle a fait deux fois le demi-fest. Après, il y avait pas mal de pélos de l'animalerie qui traînaient par ici. C'est pas que des Croix-Roussiens, mais genre La Poisse, Oster La Poisse, il a Croix-Rousse encore. Il y avait toutes les vidéos qu'il faisait, il me semble que les vidéos de l'animalerie, il faisait ça à la Croix-Rousse, etc. De gros rappeurs, enfin, même moyen rappeur de Croix-Rousse, c'est pas non plus l'endroit où il y en a le plus. Hein. C'est pas là où ça pousse le plus. Non.
T'as vu, du coup ça me fait plaisir, hein. Moi je suis dans le créneau, on dit que je suis rappeur 3 roues, ça me fait plaisir. Hein. Ouais, c'est, tu vois, représenter ça, ça me fait plaisir parce que moi, tu sais, quand j'écoute du son, j'ai toujours kiffé les rappeurs qui parlent de l'environnement, qui parlent bien des choses précises, des rues, des endroits, t'as vu. C'est vrai que ça se ressent dans tes sons. Ouais, en fait, c'est trop kiffant. En fait, dès que un rappeur cite Benzema, ça doit être hyper universel de citer Benzema. Moi, j'étais genre, oh, et tout, t'as entendu et tout. Je me le mets en replay. Et même quand t'es Dax, il dit, tu nous manques pas, t'es pas Nabil Fekir, tout, dans Drill au tiers. Moi, j'étais genre, vas-y, énorme, il parle de Nabil Fekir. Enfin, il parle de l'OL et tout. Tu sais, on est fan de foot, on parle de notre club, de notre ville, de notre endroit. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai. Moi, tu sais, quand j'écoute des rappeurs de Paris, je suis content d'avoir l'impression de me balader dans leur rue, de connaître des endroits. J'arrive à Paris, je suis jamais venu. Mais je sais que là, il y a tel rappeur, je sais que là, il y a ça et tout. Normalement, si je regarde bien, je connais les ambiances alors que je suis jamais allé. Et ouais, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça à la Croix-Rousse. Tu vois, je m'étais jamais pris un rappeur en mode putain, c'est le rappeur de mon quartier, il parle de ma rue, il parle de mon machin. Et donc, si je peux faire ça comme chez les gens, comme petit plaisir, petit kiff, genre il parle d'un joueur que moi je sais que je connais parce que c'est un de mon club où il parle de la rue, il parle de mon quartier. Bah, si je peux donner ce plaisir-là aux gens, bah, c'est tout ce que je kiffe en vrai. Parce que c'est moi ce que j'aime bien dans les rappeurs que j'écoute. Quand ils parlent vraiment d'eux, même si c'est pas ouf, forcément leur vie, tu vois, mais ils parlent vraiment de leur endroit. Bah là, on a clippé Pélo de Ville ici. Ah, c'était ici, ouais. Ouais, moi j'ai une banderole, on avait reproduit une banderole qui avait été sortie quand on a été en demi-finale avec des champions en 2020. Une banderole Lyon-Ville de Zeb. D'ici peu, ça vient du 6-9 ici depuis Colors, ça fait quoi de sans batterie. Pas de verre dans le 6-9 batterie. Vous avez fait bien rire avec Sandra Gomez, c'est Sandra qui met sur tous les clips. Parce que tu vois, Sandra elle fait le code review avec Mehdi Maizi en ce moment. Ah ouais, ouais. Et c'est elle qui met sur tous les clips, c'est une vraie lyonnaise, et une vraie amoureuse du rap. Et elle comprend tout ce que je fais, elle capte mon univers, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux pas aller en termes d'image. Et elle est trop forte surtout, donc je suis trop refait parce qu'elle commence aussi, c'est ça, de faire de la direction d'image et tout avec WAM. Et ça me fait plaisir parce que... Franchement, elle est trop forte, c'est sûr qu'elle ira très loin, et vraie lyonnaise. Mais du coup, gros, t'as clippé ici, mais c'est quoi ça, c'est des allées, c'est... Ah ouais, c'est vrai ça. Là, c'est les travaux. C'est vrai que bah, c'est des bâtiments de base. Des bases, c'est des bâtiments. Immeubles. Des bâtiments qui ont une particularité. En gros, du coup, la Croix-Rousse, c'est que ça. Là, il y a plein de chemins pour descendre à travers les immeubles. Ce quartier-là, il est rempli de tout ça, même tout Lyon à la base. Même il y en avait, ils en ont enlevé plein avec le temps, ou fermé, tu vois. Mais partout, sur tout le flanc de la Croix-Rousse, sur toutes les pentes de la Croix-Rousse, il y a plein d'endroits comme ça où tu peux passer entre les immeubles. Okay, et donc okay. Historiquement, ça a servi à la résistance Canu, ça a servi à la résistance contre le nazisme aussi, t'as vu. C'était des endroits où ça a toujours été dur, tu vois, un peu le niveau maintien de l'ordre. Et c'est aussi pour ça qu'ils en ont enlevé pas mal. Mais il en reste pour les touristes, et donc celle-là, c'est la plus connue. Parce que c'est la plus stylée aussi. Ouais, ouais. Il y a un truc vraiment vraiment stylé. On peut descendre jusqu'à la terreau comme ça. Ah ouais, t'as celle-là ? Vas-y. On voit pas qu'elle est celle-là, mais on peut faire ça vite fait. Et du coup, tout ça c'est relié avec d'autres bâtiments et tout quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu le principe de travail, c'est que tu rentres quelque part, tu ressors à un autre endroit. Il y a encore des gens qui habitent ici ou quoi ? Oh ouais, bien sûr, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Regarde, tu vois là, toutes les boîtes aux lettres à gauche, c'est tous les gens qui habitent là en vrai. Ah ouais. Et avant, d'ailleurs là, ils ont tout repeint, mais c'était cher stylé. C'était ouais, il y a bien. Que des graphes et ouais, tout sur toutes les boîtes aux lettres, c'était dommage, magnifique. D'ailleurs. Ouais, ils fanent en vrai. C'est tellement moins beau comme ça, comment ? Faut que ça tombe dans de bonnes oreilles, ça. Mais quoi, du coup, ils sont encore en bon état ces bâtiments-là ? C'est comment en fait ? C'est ici là. Bah franchement, c'est pour ça que ce que je dis aussi sur la gentrification. Dans les pentes, t'as encore cher des immeubles qui sont pas en bon état, cher des endroits où les familles, les vieux, ils veulent pas habiter parce que c'est tout vers le bas des pentes, parce que la nuit et tout, c'est pas forcément ouf et tout. Et donc c'est pour ça en vrai, le fait que ces immeubles par nature, et vu comment ils sont denses et comment ils sont. Il y en a encore plein qui sont pas forcément en très bon état. Mais après, t'as cher des trucs rénovés aussi, tu vois, ça vient avec le temps. Mais en fait, ça a surtout été bien rénové les années 90. Avant, c'était tout gris, c'était ouais, tout sale et tout. Maintenant, franchement, je pense que ça va. Mais tu vois, j'imagine, t'as pas forcément beaucoup de lumière. Ouais. Quand t'habites là-bas, là. T'as fait l'EP qui s'appelle Rappeur de Lyon. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi le starter pack du Rappeur de Lyon ? Ah, franchement. Ah, vraie question. Franchement, c'est... En fait, c'est... Comment dire ? Je sais pas si c'est un starter pack. Hein.
Moi justement j'ai l'impression que je corresponds pas tant que ça au starter pack du rappeur de Lyon. Genre tu vois, genre si t'écoutes. Chacun s'approprie la ville à sa manière et. Tu vois, finalement moi si je dis starter pack du rappeur de Lyon, Alaz et tout, par exemple, il l'a beaucoup plus, tu vois, musicalement. Parce que moi au final, tu vois, mon premier EP il est assez new-yorkais, tu vois, dans les prods et tout. T'as pas l'influence que funk et tout que Lyon a grave connu, tu vois. Pour moi, Igou, rappeur de la Croix-Rousse, ouais. Putain, j'en ai pas parlé. Ouais. Igou, c'est bien sûr. Igou, rappeur de la Croix-Rousse de fou. Et lui, il est grave West Coast et tout, il est trop fort, tu vois. Ouais. Et lui, tu vois, je dirais, il est encore plus lyonnais parce qu'il a un truc encore plus déconnant. Il y a un truc un peu, je pense qu'il se prend pas trop au sérieux dans le rap lyonnais. C'est très funk. Tu vois, on aime bien rigoler. Et très hip-hop. Mais en même temps, c'est très West Coast aussi. Mm. Très funk. C'est ce qu'il me disait à Laz, tu vois, c'est que. Il y a ici une sonorité West Coast qu'il n'y a pas ailleurs en France. Est-ce que tu confirmes? De ouf, tu vois. Je suis vraiment pas le meilleur représentant de ça. Parce que moi, je me suis bouffé grave du West Coast, en fait. Tout en écoutant cher du rap lyonnais. Tu vois, on avait ça, il faut aller écouter. Tu vois, dans les années 2000, il y a 3 compilations qui sont sorties. C'est Piment Rouge, produit par Mister O, je crois il s'appelle. C'est archi funk. C'est que ça, tu vois. Et ça représente de ouf ce que c'était Lyon dans les années 2000 en termes d'influence. Mais au final, moi, dans ce que je fais, je suis pas le meilleur ambassadeur de cette vibe funk-là. Après, pour l'instant, en vrai. C'est clairement, moi, je kiffe beaucoup, beaucoup de choses différentes dans le rap. Et pour l'instant, j'ai commencé avec mes basiques, tu vois. Mais je vais clairement pas faire des années de carrière sans toucher un peu au rap lyonnais J-Funk, tu vois. Obligé, tu vois. Là, on va arriver devant le Craspec. C'est là où on a fait notre premier concert. Ah ouais? Organisé par Fils de Pente. C'est notre gars sur Julio qui a cette association Fils de Pente. C'est l'asso rap du quartier, des Pentes de la Croix-Rousse. Et c'est ici où on a fait notre premier live avec Igou, justement. Rappeur grave plus West Coast. C'était une soirée incroyable, ouais, franchement. C'était trop bien. On a kiffé. Énervé. Et ouais, franchement. Et depuis, on a fait Marquise, Ninkasi. On a fait le truc de la soirée de Mehdi Maizi, première partie de Prince Wally. On a vécu des grands moments, franchement. Tu sais, j'irais avec qui ce jour-là, parmi vous quatre? Lui était dans le public, on se connaissait pas. Attends, t'étais dans le public, toi? Dans le public, on s'était jamais capté encore. Ouais, moi je me souviens de sa tête, justement, dans le public. En fait, t'étais trop chaud sur les sons, moi je me rappelle bien. Premier live, tu stresses un peu, donc tu cherches des têtes rassurantes dans le public. Et il y avait lui, il était là comme un grand smile, premier son. Tête rassurante, j'ai dit à lui, franchement, je te jure, c'était ça, il avait tellement un grand smile comme ça. Et il a des premiers moments où je dis Villeurbanne dans le premier son, il fait. Alors tu sais, il y a 60 gages dans cet endroit, tu vois, donc tout le monde a remarqué qu'il était là, tu vois, moi le premier, et après c'était là, je voyais qu'il kiffait de ouf, alors je le regardais tout le temps comme ça. À la fois, je suis venu à le voir, je lui ai fait, putain gros, merci d'avoir été là, tu m'as grave, tu sais, c'était grave un truc, une des têtes rassurantes du public. Parce que, tu sais, c'est le premier concert, moi je pensais pas forcément que je serais trop à l'aise. Et justement, premier concert à domicile, est-ce que ça aide? De ouf, ouais, grave. Bah, parce qu'il y avait la moitié de la salle, ils pouvaient chanter par cœur mes textes parce que c'était mes potos, tu vois. Du coup, ça aide, franchement, t'as l'impression d'avoir un public enflammé, que ça va être ça à chaque fois. Puis un jour, on ira jouer à Limoges, et puis je pense on va constater que c'est pas toujours comme ça. Mais pour l'instant, c'est ça qui est cool, c'est que franchement, j'ai eu la chance d'avoir un public assez vite en vrai. Au-delà de mes potos, en vrai, maintenant, à chaque fois, je fais une scène à Lyon. Il y a des gens, ils viennent me voir, et il y a des gens, ils viennent, ils connaissent les paroles, tu vois. Et c'est tellement trop de bonheur, en vrai. Quand tu vois tes paroles sur la tête de gens que tu connais pas, des gens, ils viennent te voir, et j'ai l'impression dans ma tête, ils croient que je suis un vrai rappeur, t'as vu. J'arrive pas à me rendre compte que je peux être, pour un certain public, n'importe qui dans leur playlist, et que je suis pas un faux gars, tu vois, à leurs yeux. Et moi, je suis trop un auditeur pour arriver à me considérer comme un rappeur. Ouais. Et en vrai, quand t'es en live, tu te prends une claque parce que du coup, t'as des gens, ils arrivent, tu te rends compte que chez eux, ils se butent à ta musique. Ouais, y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que de se rendre compte qu'il y a un public, tu vois. Et là, c'était ma première fois que je me suis rendu compte, du coup. Crasmec Music, franchement, un bar historique, tu vois. Pas forcément que rap du tout, même. Il y a beaucoup de groupes des années 90, 2000, qui ont fait leur premier live ici. C'est un peu un classique.
Et moi j'aime bien les trucs classiques, bien régulars. Et ben, premier concert de Craspec, ouais. Rien de mieux. Rien de mieux. Franchement, pour un Croix-Roussien. Et du coup, c'est parfait. Ça, c'est ça les pentes de. Ouais, là, c'est monté Saint-Sébastien, la cascade. Ouais. La cascade. Ok, Stockman, Peter Bosch et Pascal Gastien. On avait fait un son pour notre premier concert. On avait fait un passe-passe qu'on avait écrit où on parlait du bar et tout. Ouais. Et c'est une des descentes, tu vois. On aurait bien pu prendre toutes les traboules, mais en fait, on est poursuivi par un loup. Parce qu'il faut le dire, il nous casse les couilles. Voilà, on l'a rencontré, il veut plus nous lâcher. Vas-y, on va se rapprocher, je pense. On va aller tranquille vers la place Sato. T'es un fan. C'est finir place Sato, je pense que c'est un bon bail parce que ça va être un lieu central de demain pour le 1er mai. Comme ouais. Je te disais, on est à côté de Radio Canu et Radio Canu, tous les 1er mai, ils font un punch. Radio Canu, ma première radio où je suis allé d'ailleurs. C'était comment la première radio? Parce que du coup, t'as fait d'autres, t'as fait Skyrock. Ouais. Déjà, premièrement, Skyrock, gros, c'est à Keto. Comment qui t'a comment, alors, comment ça s'est fait, gros? Bah, gros, en fait, là, justement, l'album que je vais sortir, on va le sortir avec un beatmaker qui s'appelle Many Days, vas-y. Et c'est un poteau d'Aketo. C'est un gars, il a fait. Enfin, il est poteau de beaucoup de gens, hein. Mais il s'entend particulièrement bien avec Aketo. Et Aketo était venu écouter l'album quand on était allé le faire écouter un label à Paris. Et Aketo, il avait kiffé l'album qui va sortir là. Et il m'avait dit des trucs trop gentils. Et on avait fini par passer la soirée à se bourrer la gueule ensemble jusqu'à 5h. On a fini sur le canapé du label à 5h du mat à hocher la tête sur du lunatique sur son tel, tu vois. Et il m'avait fait écouter Zone Bleue qui n'était pas encore sorti et tout, ça avait mis une putain de claque. Et après, à un moment, quand il a sorti Zone Bleue, justement, il avait sa nocturne sur Skyrock, tu vois. Et du coup, il m'a invité à venir rapper. J'étais trop refait. Parce que il y a cher des rappeurs que. Moi, Limsa Donné qui était là-bas, par exemple. Oh, salut. C'est un des gars que j'écoute le plus en ce moment. Limsa, ah ouais. Isha, Souffrance. Souffrance aussi, force à lui. Ouais, c'est des gars, les trois du coup, j'ai pu rencontrer même depuis que je fais du rap. Et moi, c'est vraiment les mecs, je pense, sur les dernières années auxquels je me suis le plus buté, tu vois. Limsa, Isha et Souffrance. Et tu vois, là, il y avait Limsa sur Skyrock, rien de me dire, il y a un Okis, Limsa Dolné, Aketo sur la prod de Demain c'est loin de IAM en live chez Fred de Sky. Rien que ça, c'est bon, je peux mourir tranquille, ouais. Comme dirait Thierry Roland. Gros. Et ouais, je veux dire, c'est déjà inespéré. Et l'album, on peut s'attendre à quoi sur l'album du coup? Tiens, venez, on fait un détour à Croix-Paquet. C'est important. Pareil, j'ai des bouts de clips là-bas et c'est notre arrêt de métro. Et tu disais quoi? Sur l'album, qu'est-ce qu'on pourra s'attendre? Sur l'album, en fait, vu que Many Days, c'est le mec sur qui j'ai le plus écrit de ma vie, tu vois. Il sortait grave des instrus de lui, juste en instru sur YouTube et tout. Et sur les plateformes, et du coup, j'ai cher écrit sur ces instrus au début et tout, notamment, mais jusqu'à encore maintenant. J'ai écouté beaucoup de ces artistes, des albums comme Sud Artigan, Le Purgatoire, qui m'a vraiment marqué, ou même son projet avec Seite Senamo. Mais du coup, quand il m'a contacté, mais je te jure, c'était 3 jours après la sortie d'OK, j'avais 200 auditeurs. Et mon beatmaker préféré qui me contacte, qui me fait si tu veux, je te produis. Oh, ça c'est beau, hein? Ouais, j'avais l'impression, gros. Tu sais, c'est comme tu joues au basket sur un terrain et t'as un joueur de NBA qui vient te dire toi, t'as du cran, viens jouer à NBA avec moi. J'avais l'impression que c'était ça. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, je vais direct en NBA. Donc, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, je vais direct faire genre l'album que je rêve faire, tu vois. Le truc un peu que je pensais que je ferais dans 15 ans. Mais vas-y, c'est le moment ou jamais. Et c'est un truc, je peux pas en dire trop, mais on est allé chercher des samples très jazz et tout. Des samples bien jazz, comme je les aime. Et là, on arrive, rien à voir, mais on arrive à Croix-Paquet. Ouais. Nos stations de métro, ça, pareil, il y a des clips ici. C'est la Croix-Rousse ou pas ça? Ouais, c'est les pentes de la Croix-Rousse, tu vois. Et là, on arrive bientôt à Terreau, mais c'est le bas des pentes, tu vois, c'est là où j'habite maintenant. Et voilà, c'est la station où il n'y a personne qui sort en principe. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, nous, c'est vrai. On sort quand même ici. Et elle est un peu spéciale parce qu'elle est en. Elle est en pente. Ouais, c'est la seule pente. Où tu peux mettre les vélos, il me semble, dedans. Ouais, il y a c'est ça. La ligne de métro, ouais. C'est la plus lente, mais en vrai, on est attaché à notre métro C, t'as vu?
Ouais. Franchement, il a un c'est truc. C'est petit métro de Lyon, je crois. C'est un métro de rouilleur, tu vois, il va ouais, deux à l'heure. Il permet de réfléchir sur la vie, tu vois, de prendre du recul. Ouais. Et ouais, tu peux prendre ton vélo parce qu'ils veulent pas faire souffrir tout le monde parce que c'est quand même une belle montée, tu vois. Il amène à cuire aussi. Bah ouais, à cuire. Ouais, moi j'ai passé beaucoup de temps à Caluire. Matox, là, il habite à Montsuy. C'est le quartier, je sais pas si tu vois Boise. Ouais. Voilà, ouais. Ah oui. Ça, exact, c'est Matox, il habite là-bas. Et sinon, moi, tous les poteaux, ils sont à recuir, tu vois, au bout de cette ligne-là. Ah, c'est collé, de toute façon. Ouais, c'est 10 minutes. Ouais. Toute la ligne de métro. Hein. Et du coup, ouais, moi, j'étais Croix-Rousse Nord, tu vois, surtout à la base. Du coup, j'avais grave des potes à cuire. Et j'ai passé ma vie entre. C'est pour ça que je dis souvent dans mes sons 300, Calure et cuir, 1, les pentes, et 4, le plateau. Parce qu'en gros. J'allais pas beaucoup plus loin que ça, tu vois. En vrai, c'était le périmètre de la rouille. C'est ça. Alors justement, gros, un souvenir que t'as à Croix-Rousse, que ça peut être en dehors du rap aussi, ton meilleur souvenir à Croix-Rousse, ce serait quoi, toi? Alors, je sais pas, franchement, c'est dur comme ça, parce que tous mes meilleurs souvenirs, ce sera à Croix-Rousse. J'ai envie de te dire, quand je me suis mis avec ma meuf, Place Colbert, tu vois. Mais en vrai, je vais dire un truc un peu plus rap que ça, c'est... Justement, là, on va aller, Place Satonnet. C'est le jour où j'ai peut-être, je pense, compris que j'avais trop envie de vraiment faire du rap. Et parce que moi, je rappais un petit peu, j'écrivais déjà un petit peu, je devais avoir 18 ans. Et je suis tombé sur deux rappeurs, M. Caloman et Ortega, qui étaient posés à la place Satonnet et qui s'étaient... Tu vois, j'avais vu, ils s'étaient captés comme ça et puis ils s'étaient mis à rapper au milieu de la place. Ils étaient chers forts. Et moi, j'étais là, évidemment, j'écrivais que des petits textes, je les ai pas rappés. Et je les avais trouvés tellement forts, ça m'avait mis des étoiles dans les yeux, tu vois. J'avais envie de devenir M. Caloman ou Ortega, tu vois. Un rappeur du quartier que les gens ils croisent comme ça, ils sont impressionnés. Ou juste qu'ils passent sa vie à rapper dans la rue comme ça. Et qui avait le niveau pour rapper avec eux. Et du coup, ça m'a grave incité à taffer mes textes et à continuer comme ça. Pour que la prochaine fois que je croise des mecs comme ça, ben, je peux rapper avec eux et pas avoir honte de mes textes, tu vois. Et c'est marrant parce que M. Caloman, je n'en avais jamais parlé. Et il m'a envoyé des messages il y a pas longtemps en mode c'est ce que tu fais, tout ça. C'est bien ça. Ça me fait plaisir. Ça la me fait boucle des... Bouclée, ouais, des souvenirs. C'est ça, vraiment, il y a trop de jolis symboles. Tout se passe trop naturellement pour que je sois pas à fond pour continuer, pour pas avoir de regrets, tu vois, aller un peu le plus loin possible musicalement dans ce que je peux faire, aller essayer de chercher mes rappeurs préférés, faire des feats et mes beatmakers préférés et poser sur leur prod. C'est avant tout ça mes ambitions, tu vois, dans ce rap. Et j'ai envie de me faire kiffer, tu vois. Parce que c'est le genre de truc qui te donne trop de foi, tu vois. Là, on arrive au Coq Market. J'habite juste en dessous. Là, c'est mon épicier du quotidien, tu vois. On va regarder vite fait l'entrée, mais... Ah, c'est ici, du coup. Ouais. C'est là, c'est le Coq. Mais en fait, à la base, c'était cher stylé, parce que c'est l'épicier, il donnait sur la place, là. T'as vu, si tu regardes bien le haut de la place, ouais. C'est assez stylé, c'est tout rond, tu vois. C'est vrai. Et on rentrait par ici. Mais là, ce qu'on disait tout à l'heure avec la Croix-Rousse, tu vois, ça se passe sous nos yeux. La moitié de l'épicier, il devient un salon de thé pour mieux coller... à l'ambiance de ce quartier. Mais j'ai fait un son juste avant que ça ferme, enfin que cette partie-là elle ferme, qui s'appelle tout simplement Coq Market. Et le Grise à la prod, un poteau de Rotag, un gars il a une patte incroyable, il travaille à la MPC et il a un grain de ouf à lui. Et on a fait ce son-là, Coq Market, qui est apparu dans une tape pour un média qui s'appelle Rap Night. C'est un de mes petits sons régal en dehors de mes EP, un des sons qui me tiennent grave à cœur. Où je parle justement de la nuit, du premier arrondissement, du quartier terreau, un peu la nuit. Et voilà, hein, Coq Market. Tu l'as clippé celui-là ou pas? Non, même pas. J'ai fait une petite photo. C'était beau de faire un petit clip ici quand même. Ouais, franchement, même surtout à l'époque, là, c'est un peu, ouais, un peu déçu. Mais après, franchement, je suis pas le plus inspiré niveau clip. J'y réfléchis rarement. Et ça, c'est souvent, je suis un peu un branleur. Et c'est beaucoup de travail, un clip. Et moi, l'énergie, j'aime bien la mettre dans la musique. Mais justement, c'est pour ça, maintenant, je suis avec Sandra. C'est sa passion. Et elle taffe tout le côté clip. Comme ça, moi, je me concentre sur la musique. Parce que autant j'aime bien en avoir des clips. Je trouve ça trop stylé. Quand je les regarde, ça m'émeut de ouf. Autant, je suis pas fort pour me déterrer à les faire. Et du coup, là, c'était un petit truc dans une tape et tout, un petit son comme ça. On aurait pu le clipper, mais
malheureusement, ça restera juste un paysage sonore. Mais après, franchement, je me dis presque que je préfère quand les sons ne sont pas clippés. Ah ouais? Parce que, en fait, ça développe l'imaginaire vraiment mieux. Tu t'imagines le son, tu as ton propre univers. Et en fait, quand tu mets en image un son, ça fige l'imaginaire que tu te fais d'un son, tu vois. Il y a des gens qui kiffent les clips, donc je respecte c'est ça. C'est nécessaire d'en faire quand même. En plus, t'as vu, aujourd'hui, c'est ouais. Ça, tu fais pas de clips, les gens, ils écoutent pas ton son, donc autant en faire, tu vois, parce que l'important, c'est quand même que de pas rapper dans le vide. Mais en vrai, c'est l'idéal, tu vois. L'idéal, ce serait presque que tu sors des sons, tu fais pas de clips. Comme ça, les gens, ils s'imaginent même une tête, tu vois. Même le fait, moi, il y a cher des rappeurs, Sheldon, je l'écoute depuis des années. J'ai découvert sa tête la semaine dernière, je pense. Non, allez, ouais, il y a un mois dans le Grunt. De Wallace Cleaver, il me semble que c'est dans celui-là qui est passé. Et là, j'ai regardé la première interview que j'avais vue de ma vie. En vrai, j'ai kiffé, parce que le gars est cher intéressant. Mais il y a un truc qui me dit, putain, je m'imaginais une tête, je m'imaginais une personnalité. J'avais écouté ce rappeur, je m'étais fait un truc, tu vois, dans ma tête. Et en fait, si c'était resté un truc que j'avais imaginé, il y a un truc stylé, tu vois. Mais en vrai, bon, je vais pas faire le puriste non plus. C'est le monde idéal. Et en vrai, c'est quand même stylé d'avoir des clips, on se fait plaisir, on a des beaux clips. On fait travailler des gens talentueux en plus. On a fait les clips avec Sandra et Maxime Boudéan, MXIEE sur Insta. Lui, il taffe avec les gars de 23 mégabits, tout ça. Et il est très très fort. Il assiste pas mal Mario Rudil, mais il fait ses trucs en solo. Il est très très chaud. Ça va, ah bah si, t'as cause criminelle, mon gars sûr et certain. Là, il était en train de taffer son mix, mais du coup, il vient faire coucou aux caméras. C'est assez rare, hein, ça vaut de l'argent en principe, sa présence sur les caméras. En général, il prend 200 000. Ouais. Là, il revient de Philadelphie, il était à Kensington en train de prendre de la drogue du zombie. Et là, il ressort son trip et il est venu nous voir quelques minutes avant de reprendre un peu de fentanyl. Bah, tiens, présente-toi un petit peu, frérot. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, DJ pour Kiss, producteur, plus... ingénieur du son, mix, tout ça quoi. Et bah, je le suis depuis le début et on est meilleurs que le temps. C'est-à-dire que vous êtes rencontrés comment vous deux de base? Ouais, franchement c'était collège hein. Collège et puis on est resté ensemble jusqu'à là quoi. J'ai le micro, j'étais en train d'insulter les cyclistes. Je sors du coup comme ça, se trouve on t'entend pas. Putain de cycliste. Ouais, franchement c'était collège. Putain, hein. Le micro. Collège. Non, on l'entend. Okay, bah, c'est bon. Du coup la question c'était comment vous êtes rencontrés vous deux? Collège hein. Ah ouais, collège. Son cinquième il est arrivé au collège, lui il était dans un autre collège, ouais. Mais après on s'était déjà vu un peu. Et bah c'est les poteaux de cuir en fait, et là ils sont pas trop là, ils sont à droite à gauche, là ils sont pas là ce week-end. Mais c'est les amis d'enfance. Et William, bah ouais, on a toujours traîné ensemble. C'est ouf. Tu faisais de la musique au tout début. Ouais, voilà. Avant tout le monde et tout. Et moi, j'allais chez lui. Il avait un... C'était quoi? C'était un rythme. Ah ouais, tout c'était pourri. Ça. Ouais, j'avais une sorte de boîte, quatre tracks et tout. Une entrée, une sortie. Ouais. C'était cool. Je faisais les trucs directement dedans, des morceaux et tout. En vrai, j'ai écouté un million de trucs avant de me lancer vraiment dans le rap. Et j'ai toujours voulu tenter un peu. Sans jamais vouloir sortir des trucs, mais j'ai toujours essayé de reproduire ce que j'écoutais en fait. Ça, c'est un truc qui m'est venu tout le temps. Et puis William, il s'est lancé plus dans les machines, dans la musique électronique, dans le modulaire, dans les trucs comme ça. Et moi, plus dans l'écriture. Mais aujourd'hui, c'est lourd parce que, en fait, avoir William avec moi, avoir El Tacos Criminal, bah, en fait, c'est la clé à beaucoup de choses parce que. Bah en vrai, c'est con, hein, mais Mixmaster, c'est toute une science, tu vois, que moi, j'ai pas du tout. T'écouterais mes démos en sortie d'ordinateur, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Et William, il arrive et en 5 minutes, il transforme ce truc en un vrai son. Donc, on fait une belle équipe. Et DJ sur scène, il va passer peut-être un G-son quand Mani viendra rejouer avec nous. Et puis voilà, hein, toujours voilà. Là, le coloc. Là, c'est la boucherie chez Azouz. C'est la meilleure boucherie du premier. C'est là que j'ai fait ma cover. À vrai dire, en fait, on voulait la faire à l'épicerie du premier là-bas, mais c'était fermé. Et du coup, on est passé là. Il y avait le petit frigo, ça faisait un peu épicerie. C'est ça. Et il y en a beaucoup. Ils m'ont envoyé des messages, genre sur la boucherie quand j'ai sorti mon EP en mode, mais non, c'est la boucherie où je vais depuis. C'est celle de mon tonton. Je sais pas quoi. J'ai tout eu, tu vois. Ça m'a beaucoup parlé de ma cover. Et du coup, je vais encore big up Léonard Gros-Piron, la photo, c'est un gars incroyable.
et un putain de photographe, il a fait mes deux premières covers et c'est un super gars, donc voilà. Big up à Azouz et big up à Léonard. Bon frérot, tout au long de l'interview, on t'a entendu parler avec un certain langage aussi, un langage lyonnais. Ah ouais. Dis-nous quelques exemples de mots lyonnais, parce qu'il n'y a pas que des lyonnais qui regarderont la vidéo, donc... Il y en a que tu dis souvent dans les sons, sûrement aussi. Ouais. Ça veut dire... Alors tu vois, des fois, je m'en rends même pas compte. Et genre, longtemps, je disais Vago, je savais même pas que c'était lyonnais, Skip c'est lyonnais. Pélo, évidemment, le grand classique, mais pareil, tu vois, j'ai l'impression que ça se dit ailleurs. Après, on a nos trucs. Ouais, il y a le concept que je kiffe, tu vois, et qui va bien, en plus, avec mon mode de vie, c'est la rouille. Ouais, ça. Tiens, c'est quoi la définition de la rouille? La rouille, c'est faire passer le temps, tu vois. C'est, comment on dit, c'est glander, en fait, t'as vu? Rouiller, c'est glander. Les rouilleurs, c'est, voilà, c'est... Des gens qui sont là à rien faire, tu vois. Ouais. Ici, cette place, elle est assez typique aussi de la rouille. Hein. Et sinon, ouais, non, je sais pas, il y a cher des mots. Cher. Ouais, ça tombe bien. Par exemple, je dis pas mal. Après, franchement, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Je parle de la banave aussi, ça sera dans mon album. Mais tu sais que c'est même pas. Tu sais, c'est naturel en vrai. Je m'embête pas à essayer de placer des mots, tu vois. Mais en vrai, on a trop de mots de notre vocabulaire de tous les jours qui sont lyonnais. Les gens, moi, je force pas plus avec ça dans ce que j'écris que dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est ça. Et là, on est sur quelle place, tiens, en fait ? Ça tenait, du coup. On a fait le trajet dans le morceau avec Plavas. Big up à Plavas. D'ailleurs, Clem, c'est Structure à Lyon qui m'a grave aidé aussi. Ils m'ont aidé à faire mon premier clip, parmi mes premiers lives et tout. C'est des gars qui font beaucoup pour le hip-hop ici. Et je disais dans le son, ça, je pars de la Plavas, Colbert, Sato. Là, on a fait le trajet. On est juste à côté. Tiens, on peut faire un détour, t'es remarque. Allez, par, vas-y. Juste la radio Canu, juste là. On va finir là parce que c'est là où on sera demain pour le punch du. Ouais. Le punch du 1er mai. Et c'est Radio Canu, c'est historique vraiment du quartier. C'est la radio du quartier. C'est une radio militante, tu vois aussi. Surtout même, comme son nom l'indique, tu vois, les Canus. C'est quoi les Canus? Les Canus, en fait, c'était les ouvriers de la soie. Okay. Et nous, notre quartier, en fait, c'était le quartier des ouvriers de la soie. C'est pour ça, en fait, je sais pas si on peut pas voir, mais dans le haut des appartements, on a des énormes poutres et tout. Et les appartements, ils font 3 mètres de haut parce qu'il fallait poser les énormes machines à tisser et tout. Okay, okay, okay. Et en fait, les Canus, c'est surtout un mouvement social hyper connu de l'époque. Et c'est... Il y a eu la révolte des Canus. Cette révolte-là, elle est historique. Elle a été vraiment réprimée dans le sang, tu vois. L'histoire de la Croix-Rouge, c'est beaucoup l'histoire de l'héritage des ouvriers de la soie et des Canus. Et Radio Canus, du coup, c'est justement cette radio... On a le paradoxe aussi, les poteaux. Et on a vraiment ce truc militant, tu vois. Et ben du coup, ici, c'est Radio Canus. C'est la radio militante du quartier. C'est la radio historique de ce quartier-là. Et grâce à... C'est deux braves personnes. C'était ma première radio aussi, c'était un moment de ouf. C'était juste avant d'aller à Move et à Skyrock et tout. Ça m'a permis de faire un peu mon entraînement parce que j'aurais été un peu perdu si on m'avait emmené à Skyrock direct. Et non, moi vraiment radio importante. Bon, on sera là demain pour le 1er mai. C'est vraiment un paysage trop important du monde associatif de la Croix-Rousse pour que je te le montre pas. Ça me fait plaisir qu'on finisse ici parce que bah ça va avec tout ce que j'ai comme valeur, l'amour de ce quartier pour ce qu'il défend politiquement, pour le côté accueil, tu vois, un peu. Il y a plein de gens qui gravitent autour de cette radio pour la faire vivre. Mon poteau Julio, là, de Fils de Pente aussi, il a fait une émission ici qui s'appelait Freestyle des Pentes pendant cher longtemps. Et il y a eu des open mic historiques. Là, maintenant, il y a les cyphers de Mike Adam, du coup, leur émission, les accueils des rappeurs et tout. Ils ont accueilli des poteaux et ça continue là. Vous en êtes à combien d'émissions? D'émissions, là, ça va être la 28e. Ok. Et dans deux semaines, 5e cypher déjà. Ok. 5e cypher déjà? Ouais, j'ai l'impression que vous étiez à 3. Ouais. Il y a le 4e qui sort sur YouTube aujourd'hui. Ok. C'est très très chaud. Très très chaud. Et tu vois, franchement, si tu prenais le temps de lire ces murs-là, il y a des choses écrites, je vois déjà Fils de Pente, je vois les poteaux de Jules là-bas, je vois Calan de l'animalerie. Il y a, voilà, c'est toute une histoire du hip-hop lyonnais qui est ici, là.
Alors ok, c'était ici du coup, hein. Ouais, c'était là, hein. De toute façon, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Les souvenirs, ils sont encore assez frais. Ça, ouais, tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de se souvenir d'un truc. Putain, tu te souviens, 2004, il y avait Mélanie, James, je l'appelle comme ça, c'était la poteau. On avait rappé un peu ensemble. Non, bah ouais, du coup, c'est là, comme tu peux le voir. C'est militant, c'est musical. En fait, c'est ça, la Croix-Rousse. C'est-à-dire premier live à domicile à la Croix-Rousse, ouais. Première radio à domicile. Première radio à domicile. Ça a tout fait à la Croix-Rousse. Et à chaque fois, je me dis, putain, heureusement que la Croix-Rousse m'a laissé un peu m'entraîner avant d'aller à Paris ou quoi. Tu vois, le fait d'avoir fait une radio avant d'aller à Paris, le fait d'avoir fait un petit concert avec tous mes potes pour me rassurer qu'en fait, je savais rapper dans un micro et tout, avant de me retrouver à faire des concerts avec Plavaz devant 1000 personnes ou des trucs comme ça. Et c'est ça, tout se fait naturellement, progressivement, tout se passe toujours trop bien. Donc, comme je disais, pas de raison d'arrêter, tu vois. C'est que du kiff. Bon, mon frérot, histoire de terminer la vidéo, j'ai la toute dernière question. Bon, je connais déjà la réponse, mais. C'est quoi ? C'est la question classique. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? L'équipe, tu me demandes ? Attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que c'est l'Olympique Lyonnais. T'es sûr ? T'hésites un peu. Là, en ce moment, ils vont presque me faire hésiter. Non, je rigole. Non, bah évidemment, l'Olympique Lyonnais, depuis le début, depuis Benzema, depuis Juninho. Ben forcément, en même temps de ma génération, il fallait être bien borné pour pas suivre l'OL. Bon, ouais, on gagnait tout. On était à l'école, c'était facile le foot. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est sûr. C'est quoi tes réseaux si qu'on te suit, frérot ? Eh ben, du coup, alors sur Insta, je crois que c'est Okis-869-8 sur Twitter, OkisGSM. Et puis, c'est tout. Hein. Sinon, c'est surtout sur les plateformes qu'il faut aller voir. C'est ça l'important. Toujours la musique, tu vois, faut aller voir. Sinon c'est partout, ouais, YouTube, les plateformes. Et puis voilà. Et dans les salles de concert de Lyon et bientôt évidemment. Dans toute la France. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup frérot. Merci à toi frère, ça fait trop plaisir. Et on est ensemble. Okay.